Une table à trois. Bonsoir, dit-elle. Est-ce libre ? Bonjour, dit le vieil homme. Oui, ces deux à cette table sont encore libres. Elle sourit et prend place. Voulez-vous déjeuner avec moi ? À trois, le plaisir est bien plus grand. N'est-ce pas trop tard pour déjeuner ? Et pourquoi à trois ? Ce n'est jamais trop tard. Mademoiselle, trois petits déjeuners, s'il vous plaît. La nuit tombe. Le jour passe. Ou bien, est-ce la nuit qui passe et le jour qui se lève ? Nuit et jour en même temps. Le soleil montre le temps. Pourtant, le soleil n'a pas de temps. Elle prend deux morceaux de sucre, un cœur, un thé. Comment prenez-vous votre café ? Avec du lait, sans sucre ? Dans ma vie, il n'y a que des douceurs. Je la porte dans mon cœur et au creux de mes mains. Ainsi, la chance me sourit toujours au dé, puisque 7 précède 4. Elle voulait être libre, mais qui peut apercevoir les étoiles le jour ? Le soleil brille toujours pour celui qui se le voit. Êtes-vous un joueur ? Oui, je l'ai toujours été, car la vie est mon jeu. Il déjeune le soir, son jeu est la vie, rare et charmant. Avez-vous déjà gagné ? Demande-t-elle. Depuis que je sais qui joue avec qui, et que demain, aujourd'hui, c'est hier, oui. Dans ce jeu, il n'y a que des gagnants. Un jeu sans perdants. Tout est emprunté. À qui ? À celui qui laisse les fleurs s'épanouir. Est-ce que le café est bon ? Demande-t-il. Oui, mais pourquoi parliez-vous de petit déjeuner à trois ? Nous ne sommes que deux à cette table. Deux couleurs nous guident, le noir et le blanc. Le blanc serait-il le bon et le noir le mauvais ? Ou bien le noir le bon et le blanc le mauvais ? Les deux sont justes, ou bien aucune des deux ? Bon, vous ne voyez que nous deux, car vous n'avez que deux yeux jusqu'à présent. Mais oui, c'est tout à fait normal. La Terre est plate. La Terre est le centre de l'univers. L'homme est le couronnement de la création. Est-ce normal? Les jeux sont faits. Rien ne va plus. La roue se met à tourner.
Thank you.